On reprend donc ce tournoi Windjammers. On le reprend parce que il y a eu un petit... Voilà, donc là, je vais commenter en fait à la Nicolas Hulot, puisque je me retrouve à commenter mon propre match contre Kenshin 05. Voilà, donc on a eu tellement de désistements, de problèmes pour enregistrer avec Supercap que finalement, et ben voilà, donc on commente cette fois-ci, c'est la demi-finale de la Loser Bracket, pour ceux qui suivent, voilà. Alors c'est impossible à suivre, donc pour tout le monde. Et donc ça joue complètement top tier, ça joue Vessel versus Vessel, avec donc... avec donc en player 1 Kenshin 05 qui a donc le service et qui m'envoie une belle saloperie dès le départ, voilà, qui me met un petit 3 points, bon comme ça on n'en parle plus. Je vais donc faire le service, enfin, le service pourri de Clay qui est un cross-up en fait, hein. Il touche en haut et ensuite il retouche en bas, il va récupérer, non même pas, il rate son disque, bah, écoutez moi ça me fait 5 points. Alors c'est la fête, c'est bon, quel service il va me mettre, à quelle sauce il va me cuisiner, il adore celui-ci, à chaque fois je me le prends, donc je vais lui remettre le mien, mais en bas pour mixer un petit peu, voilà, c'est très bien. Wouh, ça me fait, oh là là, je sais pas, il a merdé, mais il attendait la réponse, j'ai refait mon service un petit peu bêtement, on va mettre une super comme on peut, j'ai fait n'importe quoi, et j'arrive à remettre ce fameux service, mais celui-ci c'est le coup qui tue, hein. C'est le coup qui tue, je me ferai plus avoir par ça, mais je me fais avoir par mon propre coup, je suis mauvais. Et il attend, donc on va essayer de lui mettre une super pour le punir. J'ai complètement zappé de me mettre correctement. Allez, on fait taper un petit peu. On va essayer de déclencher le pif en tapant les plots. Ah, il a complètement fait ce que je voulais faire. Et je perds donc ce premier round. Bon, un petit peu de concentration, ça va pas du tout ça. Enfin, il y a des gens qui ont misé leur vie sur moi. Ils ont pas l'air de savoir que dès que c'est un tournoi, je fais de la merde. Ouh, ça y est, c'est bon, il l'aura pas, il l'a. Allez, le pif. Allez, le pif. Non, pas de pif, donc tant pis. Bon, je vais me prendre un point, là. Je le sens, je craque émotionnellement. Il se passe beaucoup de choses, j'arrive à renvoyer cette super, mais on va... voilà, j'allais faire une crise cardiaque de toute façon. Donc c'est bon, allez, un petit service, comme il le fait lui-même. Il connaît son propre service et il m'envoie un truc complètement dégueulasse à 5 points. Allez, hop, il avait oublié ce coup-là. Je vais faire un petit service normal, ça devrait aller. J'essaye de... d'expliquer mon pif avec des bonnes raisons, avec des trucs dans ce genre là, mais j'avoue que là c'est du réflexe et ça fait 5 points, j'ai pas compris, ok, très bien, ce service commence vraiment à m'énerver, faut que j'arrive à le renvoyer comme lui. Ah, il déclenche le pif en tapant dans les plots, allez, service spécial, il se fait plus avoir, c'est bon, c'est fini, la carotte est complètement périmée, j'arrive à rattraper ça un peu à l'arrache. Allez, on va mettre un effet. C'est l'heure de l'effet, je l'ai raté. Et voilà. Voilà, voilà, je prends donc un premier round. Mais c'est bon, j'ai la technique. J'ai la super technique. J'ai concrete en counterpick. Voilà. Puisqu'on a droit de counterpick sur ce terrain uniquement. Non, non, laisse-moi choisir mon terrain. Voilà, parce qu'on se bat un petit peu là. Stage select, ça va concrete, ça va faire mal. Je l'ai plus staffé que Clay. Sinon il fallait des trucs vraiment sales, genre des services à 5 points. Alors attention. Et merde, il l'a vu. Il connaît la carotte. Ou il a juste de bons réflexes aussi, ça marche. Allez. Ah, on va s'amuser en bas. Voilà, parce que les plots sont vraiment des apôts à pif. Et je me prends un 5 points. C'est absolument génial. Allez, on continue. Ah, les services tout pourris. Un super shot et je me prends à 5 points. Bon allez, ça rigole plus. Service à 5 points, peut-être qu'il a oublié. Voilà, il a oublié. Et faut que j'essaie de gruger comme ça. Voilà. Techniquement, si je prends que les 3 points et que je réussis à chaque fois, ça peut faire. Il a une bonne défense et par conséquent, il va falloir que je me réveille parce que sinon c'est perdu. Et ouais. Et ouais, ouais. Allez, on va faire un petit service à 5 points encore. Je m'en lasse pas. Lui, si, hein, c'est bon. Là, j'arrive à déclencher le pif et je me prends 5 points. Bon, je vais essayer d'arrêter de parler. De toute façon, j'ai perdu, je pense. J'ai déjà perdu dans ma tête. Psychologiquement, je suis mort, donc, dans le jeu aussi. Je me prends 5 points, même en étant super concentré. Là, je suis... Oh, ça rame. C'est bon, c'est l'occasion de faire un truc complètement piffé. Et c'est l'occasion de se prendre 5 points. C'est l'occasion de perdre en demi-finale. Et donc, c'est Kenshin 05 qui... continue pour la finale Loser Bracket.